Allez, on est parti pour une nouvelle découverte sur Nano Apostle, du coup un boss rush entre guillemets. Enfin non, pas entre guillemets, en fait c'est juste un boss rush. Par contre, pourquoi? What the fuck, ça bug. Ah merde, ma manette est plus détectée. Super. Pourquoi? Elle était détectée, elle ne l'est plus. Ah si, là elle est détectée. Ok. Bon. Je crois qu'elle est détectée, mais en vrai c'est bizarre. Ah bah grosse ambiance, super. Cadavre. Tristesse. You've got to stay strong. Je te promets que je vais te sortir d'ici. Ouais, bon, les pas, ça va aussi là. Je te sortirai d'ici. D'accord? Tutti. Et là, ça fait la musique de Mario. Soyons sérieux, 2 minutes. Petite fille, où suis-je? Tu es dans le monde des rêves. C'est un plaisir de te rencontrer. Merci de me servir en tant qu'host. Ah. Je suis un parasite. Je vais te tuer. Je suis un semi-automatique combat nano prosthétique, quoi. Moi, je m'appelle Apostle. À partir d'aujourd'hui, je t'assisterai dans tes opérations. D'accord? Où suis-je? Je me souviens pas. On est au Pioneers niveau 6, laboratoire biochimique d'armes. Super. On est ok dans une cultivation chamber. Je ne comprends pas ce que ça veut dire, mais merci pour l'explication. Est-ce que je peux t'appeler Kuro? Bah non. Bah. Ok. Bon bah tu t'appelleras Kuro désormais. T'as cru que c'était son chien ou quoi? Pourquoi est-ce que le sol brille? Parce que en fait tu vas te faire envoyer en l'air à une vitesse. Réveille. C'est un processus de pour se réveiller, quoi. Ok. Je ne sais pas comment me battre. Ah donc c'est Turo qui va contrôler notre corps pendant les combats pour qu'on puisse se battre. Mais du coup, pourquoi tu exploites le corps d'une petite fille comme ça? C'est très bizarre. C'est très bizarre. Après, on n'est pas dans le jugement, mais... Mais c'est très bizarre. Je vais baisser peut-être un peu le son après. J'ai l'impression que c'est un petit peu fort. Appuie sur clic droit pour performer une attaque légère. Ah mais sauf que j'ai pas de souris là. Attends. Voilà. Ok, ça doit être carré pour... Ouais, ok. Ok. Appuie et maintiens R2 pour viser. Ensuite, relâche pour tirer. Tirer nécessite un d'énergie qui est indiqué en dessous de la vie de notre personnage. Accumuler de l'énergie en faisant des attaques légères sur les ennemis. Toucher les ennemis avec des attaques légères pour obtenir de... Oui, bah, merci, c'est ce que... Ah, ok. Donc là, faut que je... J'ai la barre en haut qui grimpe. Et là, bam, je peux balancer un tir. Tirer sur un ennemi va leur infliger un stack d'infection. Qui est montré en diamant au-dessus de la barre ennemie. Ok. Donc faire des attaques légères augmentera la progression de l'infection. Et quand la barre d'infection est pleine, l'attaque ennemie déclenche Absorb. Absorb fait des dégâts massifs et régénère quelques PV.
quelques-uns de nos PV. Ah, ok. Quand un ennemi fait une attaque de mêlée, appuie sur L1 juste avant de se faire toucher pour faire une parade parfaite. Yes. Moi, je suis vraiment doué avec les calamines, c'est ça qui est bien. C'est faux. Je suis une merde. Je vais mourir, putain, mais vas-y. Ah, j'ai fait trop tôt, là. Ah, trop tôt, encore. Ah, vas-y, c'est dur. On est dans la merde. Après, c'est le matin pour mon excuse. Je suis pas réveillé. Putain, j'arrive pas. Ok, c'est bon. En rencontrant des conditions spécifiques, comme faire une parade parfaite, le point de destruction des ennemis apparaîtra avec une icône en surbrillance. Attaquer le point de destruction pour faire des gros dégâts et étourdir l'ennemi. Juste avant de taper un ennemi... Non, juste avant d'être touché par des projectiles ennemis, appuie sur L1 pour faire une parade parfaite, ce qui renvoie les attaques. Yes. Toujours, ouais. Là aussi, ça fait... toucher un ennemi, un point de destruction à ennemi, causera aussi... Ah oui, ça va faire en sorte que l'icône de grappin apparaîtra. Appuyez sur R1 pour du coup attraper et faire une attaque, un dash. Ah, mais faut que je le... En fait, faut que j'aille au corps à corps pour la faire, c'est con. Appuyez sur croix pour utiliser l'esquive, qui permet du coup de dasher. Ok. Et quand, pendant qu'on dash, on est invincible temporairement. Bon, ça... Ça, c'est le truc que je vais tout le temps utiliser parce que je ne sais pas faire une parade parfaite. C'est le truc de noob, quoi. Quand un point d'exclamation apparaît au-dessus de la tête ennemie, ça veut dire que leur attaque ne peut pas être parée. Non, mais c'est pour ça qu'en fait, je fais tout le temps l'esquive, moi, parce que t'as pas le réflexe de... T'as pas le réflexe, quand tu vois un point d'exclamation, de pas parer, quoi. Merde, j'ai pas d'âge dans le bon sens. Faut que je le fasse plusieurs fois. Appuie sur triangle pour se soigner. Ça permet de récupérer des PV. Le nombre de soins est affiché en haut à droite, à gauche. Ouais, il m'en reste deux là, c'est ça. Ok. Ah, ça régène à 100%. Quand tu bats des ennemis... Mais je suis en train de me faire canarder, là. Mais laisse-moi tranquille. Attends, quoi? Defeating your enemy by enemy necessary devrine attack when the enemy... Ok. Enfin, ça, tu vois, je dois pas l'esquiver, je dois pas rater parfaite, quoi. Ah, merde. Ah, merde, j'ai confondu les touches. Ah, putain, vas-y. Ah là là, pas parade parfaite. Ouais, ok. Skill point 4. Bon, c'est un jeu stylé, quoi. Du coup, ça va être difficile pour moi. Ça va être difficile. 35e jour de siège à Palanlac. L'année 362 du calendrier côte. D'accord. En mars, c'est ça?
Causalities were just as severe. C'est quoi causalities? C'est les blessures, genre? Ces bâtards de métal sont durs. Je sais pas comment Camara a eu accès à des armes aussi avancées. Au moins on tient notre sol. Leurs sacrifices ne seront pas vains. Horace, qu'est-ce que tu feras quand la guerre se finira? Ma sœur meurt de faim. Merci à cause du siège. Je veux juste la sortir de là, c'est tout. Je comprends. J'ai perdu ma femme et mes enfants à cause de cette folie. Je ne sais même plus pourquoi je me bats. Désolé d'entendre ça, capitaine. Ça va. Je dois tout donner tant que je peux, tant que je le peux encore. Je ne veux pas avoir de regrets. Ok. Et qu'est-ce qu'on a à voir là-dedans, nous? Pas de regrets. Oh mon dieu, elle est réveillée. Bienvenue. Première règle, protéger Lost. Une entité non identifiée pourra attaquer. Initialisation de l'élimination. De combat activé. Au secours. Et expliquez votre intention. On décidera si on doit t'éliminer ou pas. Je suis désolé de vous avoir effrayé. Je ne sais pas comment je me présentais. Kuro, tu fais peur à la pauvre fille. Ok. Mon nom est Wenny. Salut Wenny. Mon nom est... C'est quoi mon nom? Nous sommes le sujet 89. Bah super. Anita. Ok. Bah super. Et donc? Et donc? Non mais le problème là, tu vois, c'est qu'en fait, il y a des dialogues, c'est super. Mais moi, j'oublie les touches en attendant. Et après, on va me mettre face à un mob, on va me dire, vas-y, tue-le. Et moi, je serai en mode, oh là, c'est quoi cette merde? Bon, les dialogues, si vous voulez, les dialogues, jouez au jeu. C'est quoi la parade? Déjà, c'est L1, non? J'ai déjà oublié. Ouais, je crois que c'est L1. On est d'accord que L2 et R2, ça sert à rien pour l'instant. Module d'interface. Gagne invincibilité quand tu utilises du heal. Et 20% de réduction de dégâts pendant 5 secondes. Je l'ai pas, ça. Quand tu utilises le grappin, les attaques légères font 40% de dégâts en plus. La durée du buff est basée sur la distance du dash. Ok. Du coup, j'équipe ça. Faut que je lui parle. Attends quoi? Ah, Nest Battle. Ah, Traeulien. Ok. C'est y part. C'est y part. C'est fort. Aïe. 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 Arrête. Tiens. Oh, il est stun. Il est stun. J'aurais dû lui tirer dessus. Wesh. C'est un peu plus vénère que tout à l'heure. Ah, vas-y.
C'est quoi ce truc? Ah oh, vas-y, c'est... C'est dur à... À comprendre. Mais je comprends pas que je sois obligé de le taper au... Faudrait que j'essaye de tirer dessus quand je le stun. Pour voir si ça marche. Ah merde. Ah non. J'essaye de faire des parades, mais c'est compliqué. Ah non. Non. Ah, j'ai pas parade parfait là. Ah, vas-y, j'essaye. Je sais pas si je peux parade ça en vrai. Et genre ça marche pas là? Je dois le faire mal. Je suis mort? Ah non, il est mort. C'est bon, il est mort. Oh. Ah ouais. Ah putain. Il... C'était que la phase 1. Au secours. Putain, moi j'étais content. J'étais en mode first try et tout. Bah non. Et bah non, en fait, c'était juste la phase 1. Ah vas-y. J'essaye de faire les parades mais... Je sais pas si je peux les parer sur les retours en fait. Ah merde. Oh la vache. Est-ce qu'on peut passer le premier combat ? Ah merde. Eh, c'est quoi cette attaque? Ok, une première phase sans soigner. C'est pas mal. Maintenant, je me soigne. Oh merde. À l'aide, à l'aide. Mais frère, il le fait combien de fois? En fait, je dois parer tous ses coups pour le stun sur ça, c'est horrible. Oh, je suis chaud là. Merde.
Oh non, c'est dur d'avoir le timing en étant collé à lui, quoi. En fait, j'ai besoin de faire ça que sur son dernier coup, je crois. Lui, je l'ai fumé, là, par contre. Ok, esquive. Là, je peux pas, Gloss. Putain. J'ai pas le réflexe. What? Ah putain, ça reste ça. Je me souviens. Je suis dans la merde. J'arrive pas à faire mes stuns. Merde. Oh moi je l'ai pas eu. Fidèle. Ah non, je l'ai pas eu celui-là. Oh non, je l'ai pas stun du coup. Ah mais en fait, le timing il est trop serré quoi. Ok. Quoi? Pourquoi je l'ai pas stun là? Ok, nice. Me dis pas qu'il y a une troisième phase. Execute. Ah oui. Ah oui. Yes. Yes, yes, yes. Petite ambiance, là. Il y a un truc que je comprends pas, en fait. C'est... Pour... Quand je stun... Enfin, quand je parade parfaite... Faut que j'aille au corps à corps pour taper le mec... Pour ensuite dash dessus. C'est bizarre, je trouve. Ou alors, il y a un truc que j'ai pas compris, quoi, mais... Parce que si c'est ça, c'est un peu bizarre, quoi. Et du coup, là, on affronte des unités que leur armée affronte en vrai. C'est bizarre, non? Ah. Je crois que le capitaine est mort. Ah. Je crois que lui, il n'était pas mort. Les attaques légères ont une range augmentée et éliminent les projectiles. Mais par contre, on tape plus doucement. Je sais pas si c'est intéressant. On peut pas tester ici, par contre. L'histoire de la démo est finie. Quoi, déjà? Le prochain stage consiste à une bataille de boss. Over canon for combat. Réusine les différentes expansion modules. Ok. Donc ça, c'est la... Après, c'est la fin de la démo, je crois. Ok. Bon, après, c'est normal. Vu que c'est un boss rush, si t'affrontes tous les mobs, bah, du coup, c'est un peu con.
Wesh. Ah mais vas-y, c'est chiant à esquiver cette merde. Ah. J'ai l'impression de pas faire de dégâts. Ah, vas-y. Ah, mais en fait, elle est remplace. Mais comment je suis censé la taper, en fait? Ok, j'ai rien compris au boss. Ouais, j'ai pas compris comment le taper. Au début, je pensais qu'il fallait juste détruire ces trucs, mais elle est régène. Ou alors, c'est que j'étais trop lent. Merde. Ah, j'ai pas le... pas le réflexe de ça. Ah, vas-y. J'essaye de choper le réflexe de pareil, mais... Ah, ça, j'ai pas le réflexe non plus de le parer. Là, elle a respawn ses trucs, c'est trop chiant. Et comment j'esquive cette merde là? Mais là je peux même pas la taper vu qu'elle est immune. Il y a un truc que je dois mal faire. En fait je pense qu'il faut que je dégomme ces trucs là mais comment? Est-ce... J'avoue que là, je sais pas pour l'instant. Il doit falloir faire un truc avec ça pour que ça débloque son shield, je pense. Mais je vois pas quoi en fait. Ah, il y en a un au moins là. Merde. Ah, ben là, il y en a. Il est revenu. Comment? Comment ça se fait qu'il soit revenu? Ah oh, mais vas-y. Là, comment ça, ça se baisse? C'est quoi qui fait ça? Ah, faut la faire aller dessus, genre? Non, c'est bizarre.
On prend rien au boss. Oh, mais disons les tomber ceux-là aussi là. Je comprends rien au boss. Ça remonte au bout d'un moment. Mais vas-y, j'en peux plus. Et là, ça remonte direct. Pourquoi ça remonte direct, en fait? Faut que je fasse quoi? Faut que je reste dessus, genre, quand ça se baisse? Allez, encore. Mais là, je comprends pas, frère. Et si je reste dessus, il se passe un truc. Je peux pas, je crois. Et mon merde, avec ces lasers aussi, là. En fait, non, faut juste défoncer tous ces drones pour la tabasse. C'est quoi cette merde? Ah ouais. Et du coup, qu'est-ce que ça a à voir les piliers, en fait, ils servent à quoi? Ah là je peux la taper alors qu'il restait des drones. What? Oh merde, j'ai pas eu la place. Ça marche pas ça. Ça met trop de temps à défoncer cette merde, c'est une dinguerie. T'as l'impression que c'est pas rentable de les taper, mais en même temps c'est giga chiant si tu dois tout le temps les esquiver quoi. Ouais, j'ai peur. Ah putain, trop tôt. Merde. Attends, mais tout à l'heure, elle m'a pas envoyé autant de PV en l'air quand elle m'a chopé. Mais ça, je peux pas le parer du coup. Parce que je crois pas qu'il y ait le point d'exclamation dessus. Ah merde. J'ai vraiment pas le timing de ces attaques. Ah si, je peux. Elle est où?
Vas-y. Merde. Non. Ah, le refait direct, super. Une bonne nouvelle, ça. J'ai esquivé. Ah ouais, mais c'est vrai que j'étais ralenti, du coup, je pouvais pas vraiment esquiver. Putain, en vrai, il est beaucoup plus chiant que le premier. Et pourtant, le premier était déjà... Mauvais timing. Non. Ah. Ah mais ça je peux pas l'esquiver, putain. J'ai l'impression d'un peu bourré quand même. Hein. Ah, vas-y. Quoi? Ah mais je me... Non, vas-y, putain. J'ai pas du tout le timing d'esquive de ça. Ça, j'ai failli la tuer quand même. Mais c'est chaud, hein. En fait, la deuxième phase est beaucoup plus agréable que la première. La première, c'est trop chiant, son shield de merde, là. Merde. La première phase, t'as juste l'impression de bourrer, en fait. Alors que la deuxième, t'as un peu plus l'impression de faire des trucs bien. Vas-y, ça me fait chier. Ah merde. Vas-y, tue-moi. Ah bon. Putain, c'est trop chiant, ouais. Il y a un côté, en fait, où j'ai l'impression qu'il y a un peu de RNG impliqué et j'aime pas ça. Dans un jeu où t'es censé te baser sur le skill, quoi.
Le fait qu'elle respawn ses trucs de manière... Enfin, je sais pas, c'est aléatoire, j'ai l'impression. Ok. Ah, j'ai bien géré sa phase 1. Merde, putain. Jean. Non. Oh, les dégâts de ça, mes frères. Photo. Ah non. Ah mais vas-y, c'est trop chiant. C'est trop chiant cette attaque. Ça aussi c'est chiant. J'ai pas le temps de la taper. Je vais mourir. Je peux pas la taper, je suis trop loin quoi. Eh ouais, mais elle est stun, mais ça sert. Et je meurs dans le laser. Ah, vas-y, ça me casse les couilles ce fight. Ah, ça me saoule. En vrai, ça me saoule. C'est de la merde. J'aime pas. J'aime pas ce fight. En fait, c'est juste. C'est juste, tu. T'as des lasers, tu prends des dégâts à la con parce que tu. Genre, c'est super chaud à esquiver les trucs. C'est chiant. Genre. Tu sais, t'as pas de pattern fits pour esquiver les quand elle fait ses lasers et ses drones de merde, là. Et t'as pas de pattern fits pour esquiver ça. Du coup, c'est de la merde. Ouais, merde. Putain. Oh là là, je m'amuse. Ah, vas-y, j'ai envie de racheter. Elle est respawn tout de suite, vas-y. On se fait pas assez chier comme ça. Ah, vas-y. Enfin, et tu vois, c'est ça, genre... Là, si elle respawn tout de suite ses drones, c'est trois fois plus chiant que si elle le fait... si elle met du temps à le faire, quoi. Et de les seuls...
Les quasi-soldes dégâts que je prends, c'est sur des trucs de merde. Genre, c'est pas sur ces attaques où tu peux les parer, quoi. Comment j'esquive ça au corps à corps, quoi. Là, je peux même pas le toucher, quoi, parce qu'elle a son bouclier de merde, là. Merde. Allez, bourre là. Ah, trop tôt. Elle respawn. Comment t'esquives ça, frère? Ah, vas-y. Et puis, il y a les lasers. Ah, putain. Je crois qu'on va s'arrêter là, en vrai. Ouais, j'ai la flemme de retry 50 fois pour réussir. Ah. Surtout, ça, c'est giga chiant à tomber, quoi. Ah. J'ai plus les réflexes. Et quand je vois tout ce qu'on doit faire par rapport à ce que le boss fait, ça me frustre plus qu'autre chose, quoi. Genre, je me casse les couilles à détruire ces putains de lasers pour qu'en 2 secondes, elle les réinvoque. Et qu'il n'y ait absolument aucun bénéfice à le faire. Du coup, tu dois juste te trimballer avec des lasers pendant toute la partie qui te cassent les couilles. Qui te permettent de prendre des dégâts gratos. Ouais, bon, vas-y, hein. Ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé. Après, voilà, quoi. Je pense que c'est un jeu sympa pour ceux qui aiment bien. Genre, qui ont bien aimé Fury et les trucs comme ça, là. Les jeux, les boss rush. Je pense que c'est sympa. Moi, j'avoue que je crois pas que j'ai la patience pour faire ça à balle. Mais dans le concept, c'est sympa. En fait, ça me dérange pas de retry quand ça me frustre pas, mais là, ça me frustre ce boss, ses patterns et tout. J'aime pas du tout. Après, voilà. Sinon, c'est sympa, je trouve. J'espère que cette découverte vous a plu. Si la démo est encore dispo après que le jeu soit sorti, je vous mettrai le lien dans la description. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes, hein. Allez, salut.